je suis contente. Satisfait, c'est difficile de dire satisfait parce que je veux les meilleurs toujours et donc n'est pas possible obtenir le meilleur. C'est utopique. Mais je suis content parce que j'ai un bon groupe de joueurs qui fait bonnes choses. C'est difficile parce que rien c'est facile, mais je veux que les joueurs aient beaucoup d'ambition, vont m'améliorer. Et je suis content quand j'arrive à l'entraînement et tous les jours mon joueur fait qu'est-ce que je lui demande, qu'est-ce que j'essaye. Et donc je suis très contente. Non, je pense que c'était bon match avec le Marseille, le deuxième mi-temps, quand nous avons perdu 1-0. C'était un bon match tactique contre Lyon. C'était un bon match, je rappelle, aussi à Bordeaux. C'était un bon match à Monaco. C'était un bon match contre Nice. On fait bonne chose. Il a manqué seulement la dernière 20 mètres, non, le dernier passe ou les frappes, mais on construit beaucoup d'occasions. Donc, je suis content, nous avons fait beaucoup de bons matchs. Le match qui n'est pas beaucoup contre Lille, le premier match, contre Dijon, contre Rennes. Parce que je veux toujours les maximes. Et quand je ne veux les maximes, je suis foot. Non? Et donc, cet match était non, avec la même, comment je peux dire, la grinta, la rage. Hein? Parce que je pense que si tu as la qualité, mais jouer avec seulement la qualité n'est pas suffisante. Tu dois avoir le corps, l'intelligence, tactiquement, mais la détermination de gagner le duel, être costaud. Et quand je perds, mais je veux que l'équipe a fait le maximum, je dis, ok, l'adversaire était meilleur que nous. Contre Nice, nous avons fait bien. On a fait 3 frappes à la 4 et on fait 2 buts. Ok, nous avons fait plus, mais sans se faire les buts. Ok, mais on jouait bien et je suis content. Oui, je suis content parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. À l'équipe, je lui dis lutter parce que je veux les maximes. Les maximes, je ne sais pas. Peut-être la Champions League, c'est difficile. Peut-être l'Europe, je ne sais pas. Je veux que chaque match, c'est le dernier. Et c'est important pour nous. C'est une philosophie. J'ai oublié ce qu'on fait hier. Je vais vers l'avant. Jamais je suis satisfait. Je veux plus. Et je veux que sa philosophie de vie, parce que n'est pas seulement pour le football, mais c'est pour toute la vie, d'être combatif, positif et allez, c'est perdu, allez, autre match, autre chose, positif, allez. Non, je l'ai vu l'année dernière, était un bon joueur, mais fait beaucoup d'erreurs sur les passes. Et maintenant, il va faire 1-2 erreurs seulement. Et je pense qu'il va améliorer encore. Il tactiquement, c'est très intelligent. Il peut attaquer, il peut défendre très bien. Et c'est bon avec la tête. Et il a une bonne vision de jeu. Donc, je suis très, très content avec lui. C'est un joueur boxe-to-boxe, mais je lui demande de rester là, à défendre et à voir bien tactiquement la chose. Je ne veux seulement un sentinelle, mais je veux un joueur intelligent, parce que c'est pour changer avec Roger ou Thomasson, il va au Girotto, et donc pour attaquer et pour retourner, mais c'est important, tactiquement, jouer intelligemment. Oui, je le sais, mais je pense que beaucoup parce que je suis italien, non? Et donc, parce qu'il dit, le bus avant là. Et il a beaucoup, hein? Quand j'ai entraîné le Monaco, tout le monde a pris le bus
avant la but. Donc, et j'étais italienne et j'ai attaqué et les Français vont défendre. Donc, tout le monde, c'est les pays, hein, c'est le même pays. Mais je pense que Nantes a besoin de le même groupe. Hein. Bonjour, j'ai un bon groupe. S'il arrive quelqu'un qui va améliorer le groupe, je suis content. Mais je sais que c'est difficile, un hiver, à prendre le bon joueur. Peut-être, peut-être. Je suis sûr que s'il a quelques bonnes choses, le président va acheter quelqu'un. Oui, c'est magnifique parce que les joueurs, quand je vais à la Beaujoire, écoutent la bonne pression, la satisfaction, non? Donc, il y a un bon feeling entre les joueurs, nous et les supporters. C'est fantastique.